Nordic. Janvier 2024, les Jeux Olympiques de la Jeunesse avaient lieu à Gangwon, en Corée du Sud. Sur le même site que celui des JO de Pyeongchang en 2018, les jeunes athlètes français ont particulièrement brillé. Et notamment Antonin Guy, quadruple médaillé. Sacré sur l'individuel, le sprint et le relais mixte simple aux côtés d'Alice Dussert, le Dauphinois est entré dans l'histoire de son sport. Il est devenu le premier biathlète à l'emporter trois fois sur une même édition, et le premier Français à réaliser cette performance été comme hiver. Sur le relais mixte simple, Antonin Guy et Alice Dussert ont été stratosphériques. Rapide en ski et au tir, les deux coéquipiers ont franchi la ligne avec près d'une minute de marge sur les Allemands et les Norvégiens. Je suis très content d'avoir gagné cette deuxième médaille d'or. En plus, aujourd'hui, j'ai couru avec Alice, donc il y avait plus d'émotions encore. C'était super, j'ai été assez fière de pouvoir lui donner le relais en tête. Il a su continuer le travail jusqu'au bout et on est allé la chercher. Oui, j'ai vu qu'Alice avait fait une super première partie de relais et elle m'a donné le relais en tête. Donc je me suis dit que c'était vraiment un bon jour pour elle et qu'elle était vraiment en forme. Et je me suis dit qu'il fallait que je sois aussi bon pour lui donner le relais ensuite dans les meilleures positions. Et donc c'était vraiment sympa et on est vraiment content. Dans le sprint, deux jours après, le Grenoblois a de nouveau pris le meilleur sur ses adversaires dans des conditions dantesques. Sous moins 16 degrés et des rafales de vent au pas de tir, le jeune homme a clôturé en beauté son passage en Corée. Je suis très content, c'est ma troisième médaille d'or sur ces JOJ. Hier, j'ai eu un jour de repos et du coup, j'ai pu me rendre compte de ce que j'avais pu réaliser. Une prestation notable dans la jeune carrière du pensionnaire du GUK Gronowski qui rêve maintenant de Coupe du Monde et Jeux Olympiques version historique.